l'époque, je travaillais à l'Index, j'étais serveur dans l'hôtel Napoléon. La première fois que je l'ai aperçue, en fait, c'était une vraie révélation, qu'elle a apparu un peu dans la pénombre, c'était assez mystique. Et donc on a appris à se connaître, et c'est vrai qu'il y avait pas mal d'affinités entre nous. Après notre rencontre, j'ai voulu aller voir Benjamin dans sa chambre et j'ai utilisé un prétexte pour l'emmener au bord de la plage. Et sur la route, il y avait un grand rocher, je me suis mise debout dessus et là on s'est embrassés et c'était le vrai coup de foudre. Annabelle et moi, on vivait ensemble depuis plus de 5 ans, donc on faisait nos études sur Poitiers. Et c'est vrai que depuis dès le début, on a très vite abordé l'aspect des enfants, on avait envie de fonder une famille assez nombreuse. Et en fait, au bout de ces 5 années, donc, j'ai terminé mes études. Et tout de suite, on a essayé d'avoir un petit garçon ou une petite fille. Et qu'est-ce qui est arrivé donc le 30 avril 2009, c'est Mathéo, petit garçon plein de vie, qui a illuminé notre vie et nous a complètement mis en phase avec ce qu'on avait envie d'être. C'était vraiment le plus beau jour de ma vie. Le début d'une nouvelle vie à trois, avec tous ces instants de joie, de bonheur, de rire, et en espérant que l'aventure continue encore très longtemps et qu'on ait plein d'autres enfants qui courent dans le jardin. Je suis vraiment contente de t'avoir rencontré à un moment où je n'attendais pas et surtout tu me prends comme je suis et ça c'est très important pour moi et j'espère que notre histoire va continuer encore très longtemps.